changing my life, starting here today. I surrender all my love, I never thought I could. I'm giving all my love away, and there's only one reason that I would. And baby, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse le mariage. Voilà, on les souhaite que du bonheur, une longue vie, ils ont une famille, ils ont une petite fille, on les souhaite d'avoir encore d'autres joies, d'autres heureux événements. Je suis Hervé Couliot, reconnu sous le nom de le gouverneur de Paris. Et je conserve ce maillot depuis 8 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 8 ans, 9 ans aujourd'hui que j'ai connu réellement, quand je dis connaître, j'ai connu réellement Arthur. Nous avons décidé de venir l'accompagner parce que vous savez, dans la vie, il y a des moments inoubliables. Il y a des moments qui marquent. Il m'a dit, Hervé, je ne compte pas me marier deux fois parce que j'aime cette femme. C'est ma femme. Donc je souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de bonheur, que le Tout-Puissant puisse unir mon frère ami Arthur et sa femme Arlette Mir. Merci et merci à Jordan TV qui fait tout pour la jeunesse en Suisse. Merci. Je suis venu au mariage de mon ami Arthur et de sa femme. Donc tout ce que moi je vais dire à Arthur, c'est voilà, longue vie dans son mariage, bonheur. Prospérité, richesse, beaucoup d'enfants. La seule chose que je peux lui dire à sa femme Arlette et lui, je lui souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. Il a déjà une fille, je lui souhaite d'avoir beaucoup d'enfants et vraiment beaucoup de bonheur dans son mariage. Parce que je... En ayant vu sa femme, c'est une femme dynamique, c'est une femme bien, on a besoin de ça dans notre communauté. Et elle fait aujourd'hui intégralement partie de la famille aussi. Arthur. Moi, c'est
Patricia Chandrela, je suis la meilleure amie d'Arlette. On se connaît depuis le Cameroun. Avoir cette patience, avoir cette foi, parce qu'elle a vraiment, elle a cru en son couple, elle a vraiment cru, pendant que nous, même sa propre famille, ses propres proches, on a laissé tomber. Elle a cru en son mariage et regardez où elle est. Donc franchement, félicitations à ma copine, à mon ami Arthur. Et nous sommes fiers de vous, vous êtes un exemple et on ne peut que vous souhaiter le meilleur dans tout. Je suis vraiment ravi d'être parti de la France pour assister à cette cérémonie qui est votre mariage. Félicitations à vous, hein, il n'y a plus grand chose à dire. Joyeux anniversaire à votre fille qui a un an aujourd'hui. Beaucoup de courage, santé, prospérité, bonheur, amour. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour toi ma chérie, tu es ma fille. Quand je vois pas tout, donc voilà, je suis très contente, franchement, à un moment donné, je ne croyais pas, mais bravo ma fille, Dieu est merveilleux. C'est juste pour te dire que voilà, tu me ramènes en Suisse hein, pour souhaiter ton bonheur, pour fêter avec toi tes 7 ans de galère, de misère, de supporter, de patience, d'amour, de joie, de vie, d'amour. Attends, tu as traversé des étapes, hein. On n'a pas cru, mais bon, tu as mené le combat à bout. C'est vrai que ça donne bien, Jordan. Alors, c'est un grand jour pour Arlette aujourd'hui. Un jour qu'on attend depuis longtemps. Moi, je veux juste leur souhaiter tout le bonheur du monde. Que Dieu bénisse ce couple, parce que c'est grâce à lui que tout ça a été possible. Et vraiment, je leur souhaite bonheur, amour, santé, longue union, jusqu'à ce que la mort les sépare.
Ok, donc c'était important pour moi d'être présent parce que depuis le début je suis présent, depuis que Dieu a permis cette union, donc je tenais à être là aujourd'hui lors de la célébration pour vous souhaiter tout le bonheur du monde, que Dieu vous accompagne et que ce soit une union que rien ne pourra défaire. Et que vous soyez bénis dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre de faire, et que vous ayez de la réussite, de la santé, le bonheur et sur la protection de Dieu. Maintenant, pour les siècles et les siècles. Amen. Par le marié à la mariée, sous vos ovations, s'il vous plaît.